Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT. CRPE 2017, groupement 3, première partie. La fin mai 2016 a été marquée par un passage fortement pluvieux avec des cumuls de pluie exceptionnels dans certaines régions de France provoquant crues et inondations. Partie A, étude d'une crue de la Vienne. À l'aide du graphique ci-dessus, répondre aux questions suivantes. Question 1. Quelle hauteur maximale la Vienne a-t-elle atteint à Chinon entre le 29 mai 2016 à 17h et le 5 juin 2016 à 17h? Question 2. À Nouâtre, entre le 29 mai 2016 à 17h et le 5 juin 2016 à 17h, pendant combien de temps le niveau de l'eau a-t-il été supérieur au niveau maximum de la crue du 18 décembre 2012? Donnez la réponse en heures. Question 3A. Combien d'heures se sont écoulées entre le pic de la crue de Nouâtre et celui de Chinon? Question 3B. De Nouâtre ou de Chinon, quelle station est située le plus en amont de la rivière? Et justifiez la réponse. Alors, première partie, partie A. Quelle est la hauteur maximale la Vienne a-t-elle atteint à Chinon entre le 29 mai et le 5 juin? Donc 29 mai, Chinon. Donc le maximum va se placer ici. Donc quelle est la hauteur maximale? On regarde l'axe des ordonnées et on trouve 5. Donc ici, donc la Vienne a atteint une hauteur maximale de 5 mètres à Chinon entre le 29 mai 2016 à 17h et le 5 juin 2016 à 17h. Donc à Nouâtre, entre le 29 mai 2016 et le 5 juin 2016, combien de temps le niveau d'eau a-t-il supérieur au maximum, niveau maximum de la crue du 18 décembre 2012? 18 décembre 2012, donc la crue ici elle était de 5,7 mètres, donc on regarde ici en bleu, 5,7 mètres, donc ici, combien de temps? Donc on fait ici et là, sachant qu'un intervalle ici c'est 6 heures, et ici on a 24 heures, ici on a 24 heures, donc un petit interstice, regardez, 1, 2, 3, 4, donc un interstice c'est 6 heures. Donc ici on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 7 fois 6. Ici 7 fois 6. 42. 42 heures. On peut rajouter, on peut arrondir tout ça. Donc 42 heures. Plus, donc 42 plus 3. 45 heures. Donc ici, pendant combien de temps le niveau de l'eau a été supérieur au maximum de la crue du 18 décembre 2012? Ça a duré donc 45 heures. Combien d'heures se sont écoulées entre le pic de crue de Nouâtre, donc pic de crue de Nouâtre, pic de crue de Nouâtre ici, et pic de crue de Chinon, là. Donc combien d'heures? On compte 6, 12, et ici on va dire 3, donc 15 heures. Donc 3A. Donc il s'est écoulé 15 heures entre le pic de la crue de Nouâtre et celui de Chinon. Ensuite, quelle station est située le plus en amont, donc celui qui est le plus près de la source de la rivière? Eh bien, celui qui est le plus près de la source de la rivière, c'est Nouâtre, car le pic de crue était plus tôt que celui de Chinon. Donc ainsi, la station de Nouâtre est située le plus en amont de la rivière que la station de Chinon. Partie B. Précipitation et récupérateur d'eau. Un habitant de Poitiers utilise la toiture de son garage pour recueillir l'eau de pluie et la stocker dans une cuve enterrée. Vue du ciel, la toiture a la forme d'un rectangle de 4 mètres sur 6,2 mètres. La cuve est constituée de deux demi-sphères de 124 cm de diamètre et d'un cylindre de révolution de diamètre 124 cm et de longueur 166 cm.
Question 1. Le dimanche 29 mai 2016, il a été relevé une hauteur de 31,7 mm de précipitation à Poitiers. Source Infoclimat. Question 1A. Vérifiez que le volume d'eau en litres tombé sur la toiture de la grange ce jour-là est d'environ 790 litres. Question 1B. Sachant que 90% de l'eau de pluie tombée sur le toit du garage est récupérée dans la cuve, calculez le volume d'eau en litres réellement recueilli dans le réservoir ce jour-là. Question 1C. Est-il vrai que ce jour-là, un peu moins d'un quart de la citerne a été remplie? On rappelle que le volume d'une boule de rayon grand R est donné par la formule V est égal à 4 tiers de pi fois grand R au cube, et le volume d'un cylindre de révolution de hauteur h et dont la base a pour rayon grand R est V est égal à pi fois grand R au carré fois h. Question 2. Le tableau suivant donne la hauteur des précipitations relevées mensuellement à Poitiers entre le 1er janvier 2015 et le 31 mai 2016. Source Infoclimat. Question 2A. Calculez le pourcentage d'augmentation des précipitations entre le mois de mai 2015 et le mois de mai 2016. Question 2B. En supposant que la cuve soit vide à la fin du mois de septembre 2015, quand sera-t-elle à nouveau pleine si le propriétaire n'utilise pas d'eau entre-temps? On rappelle que 90% de la pluviométrie est récupérée dans la cuve. Alors, partie B. Donc, il a été relevé une hauteur de 31,7 mm. Donc, 31,7 mm. Donc, on veut un volume d'eau en litres, donc en décimètres cubes. On a dit que la toiture avait la forme d'un rectangle de 4 mètres sur 6,2 mètres. Donc, 1A. Donc, on fait l'aire de la toiture. Donc, ici, c'est 40 décimètres. Et 62 décimètres. 31,7 mm, c'est 0,317 décimètres. Donc, volume d'eau est égal à 62 fois 40 fois 0,317. Donc, 62 fois 40 fois 0,317. 786,16. 700. 700. 86,16 litres, et donc 690 litres ici, bon, c'est plutôt cohérent. Alors, 1B. Sachant que 90% d'eau de pluie tombe sur le toit et est récupérée dans la cuve, alors calculez le volume d'eau réellement recueilli. Donc on va calculer le volume de la citerne. Donc ici, donc 90% de l'eau, donc c'est 786,16 fois 0,9. Donc 786,16 fois 0,9. 707,54. 707,54 litres. Donc ici, le volume d'eau réellement recueilli dans le réservoir ce jour-là est de 707,54 litres. Alors, ensuite, 1C. 1C. Alors, on veut calculer le volume de la citerne. Volume de la citerne. Eh bien, c'est le volume de la boule. Donc, pi fois 4 tiers fois rayon au cube. Sachant que, ici, donc le diamètre c'est 124, donc rayon 62 cm, 62 cm, ou encore 6,2 décimètres, qu'on laisse en décimètres car, donc on veut en litres. La hauteur, 166 cm, 166 cm, donc ça c'est la hauteur pour le cylindre, et bien c'est 16,6 décimètres. Donc pi fois 4 tiers fois rayon cube, plus pi fois r au carré, fois hauteur. Pi fois 4 tiers fois 6,2 plus pi fois, alors 6,2 au cube, pi fois 6,2 au carré fois 16,6. On pourrait factoriser par pi et r au carré. Pi r au carré.
pi r au carré fois r, donc là il va rester 4tr fois r, pi r au carré fois h, donc il va rester h. Donc ici, on pourrait dire aussi pi r au carré fois 4tr r, 4tr fois r, plus h. Alors on va calculer ici, pi fois 4tr fois 6,2 cube plus pi fois 6,2 au carré fois 16,6. On va trouver 3002,9, donc 3003 litres. Donc ici, 3003 litres. Est-ce que c'est moins d'un quart du réservoir? 3003 divisé par 4, 750, il est tombé 707,54 litres le 29 mai 2016. Eh bien oui, c'est bien un peu moins d'un quart de la citerne qui a été remplie. Donc ici, la réponse est vraie. Alors, 2A, calculer la pourcentage d'augmentation des précipitations entre le mois de mai 2015 et le mois de mai 2016. Donc, mai 2015, 46,6. Mai 2016, 121,1. Donc, pourcentage d'augmentation. On va noter P. De A, P. Pourcentage d'augmentation. Eh bien, ça va être 121,1 moins 46,6 divisé par 46,6 fois 100. 121,1 moins 46,6, 74,5. 74,5 divisé par 46,6 fois 100. 74,5 divisé par 46,6, 1,60 fois 100, eh bien c'est 160. 160%. Donc le pourcentage d'augmentation est donc entre le mois de mai 2015 et le mois de mai 2016 est de 160%. 2B. Donc en supposant que la cuve soit vide à la fin du mois de septembre, septembre 2015. Donc on va enfin, donc on va être ici. Quand est-ce qu'elle sera à nouveau remplie? Donc ici, on veut connaître la hauteur cumulée qu'il faut pour remplir le réservoir. Donc en fait, on va faire 62 fois 40 fois 0,9. Donc on va faire l'opération suivante. 3003 divisé par 62 fois 40 fois 0,9. 3003 divisé par 62 fois 40 fois 0,9. 3003 divisé par 62 fois 40 fois 0,9, 1,34 décimètres. Donc ça c'est en décimètres. Ou encore 134 mm. Donc ici on va faire les effectifs cumulés. Effectif cumulé, donc 26, ensuite 69,9, 88,7, 166,6. On peut s'arrêter là parce que 166,6 est supérieur à 134. Donc à partir du mois de janvier 2016, la cuve sera à nouveau pleine. Partie C. Péniche et pont. Un pont a une arche en forme d'arc de cercle. Lors d'une crue, l'eau atteint les sommets A et B des piliers du pont. La hauteur maximale hissée entre le niveau de l'eau et le sommet de l'arche est alors de 5 mètres. L'écartement AB entre les deux piliers du pont est de 24 mètres. La situation est modélisée par le schéma suivant, qui n'est pas à l'échelle, sur lequel O est le centre de l'arc de cercle, AB, et la droite CO est l'axe de symétrie de la figure. Question 1. Montrez que le rayon OA de l'arche est 16,9 mètres.
On assimile la coupe de la partie émergée d'une péniche vue de face à un rectangle de 4 mètres de haut et de 12 mètres de large. La situation est modélisée par le schéma ci-dessus, qui n'est pas à l'échelle sur laquelle on a EH est égal à 12 mètres et FE est égal à 4 mètres. Question 2. Cette péniche peut-elle passer sous l'arche du pont sans dommage? Justifié. Partie C, donc un peu de géométrie. Donc on va montrer que le rayon OA de l'arche est 16,9 mètres. On sait que OA est égal à OC. On sait que IC, c'est 5 mètres. On sait que l'écartement de pilier, c'est 24 mètres. Donc tout ça, c'est 24 mètres. Or, CO, c'est l'axe de symétrie de la figure. Donc, O, milieu de AB. Et donc, OA est égal à 12 mètres. On va calculer OA. Donc, grâce à OA est égal à OC. On sait que OC est égal à OI plus IC. OC est égal à OI plus IC. I appartient au segment OC. Donc, dans le triangle AIO, rectangle en I, on sait que AI est égal à 12 mètres. On sait que OC est égal à OI plus IC et OA est égal à OC. D'après le théorème de Pythagore, eh bien, OA au carré est égal à AI au carré plus OI au carré. Donc OA est égal à OC, est égal à OI plus IC, donc OI plus IC tout au carré, est égal à AI au carré plus OI au carré. Ou encore, si on développe, OI au carré plus 2 fois OI, donc IC c'est 5, donc 10 fois OI, plus donc 5 au carré, 25. Égal à AI au carré. AI au carré, c'est 12 au carré, donc 144, plus OI au carré. Donc, ici, OI au carré est égal à OI au carré, on peut simplifier. Et donc, 10 OI est égal à 144 moins 25. Donc, OI est égal à 119 divisé par 10, 11,9 mètres. Or, OI, donc OA est égal à OI plus IC, donc ici, OA est égal à 11,9 plus 5, donc 16,9 mètres. Ainsi, le rayon OA de l'arche est bien 16,9 mètres. Alors maintenant, on veut savoir si la péniche passe sous l'arche. Donc si on refait le schéma, on a l'arche ici. Donc là on a O, A, B, C. Donc là on va mettre le rectangle ici, la péniche. Donc ça c'est la péniche. Péniche. Ici c'est E, F, donc E, F, G, H, on a I. On va noter J. Donc J, le milieu de F, G. Donc J, milieu du segment F, G. Et donc, ce qu'on va faire, c'est comparer OA et OF. Alors, I, milieu de EH. Donc E, symétrique de H par rapport à I, F symétrique de G par rapport à J. Alors on va comparer donc OA et OF. Alors, IJ est égal à EF, EF est égal à 4. Donc on a 4, donc on va tracer OF. On va tracer OF. Voilà. Donc dans le triangle OJF, dans le triangle OJF rectangle en J, on sait que donc FJ est égal à 6 mètres, donc J milieu de FG.
on sait que OI est égal à 11,9 mètres. Et on sait que IJ est égal à 4 mètres. Donc, ici, OJ est égal à 15,9 mètres. D'après le théorème de Pythagore, OF au carré est égal à OJ au carré plus JF au carré. Donc ici, 15,9 au carré plus 6 au carré. 15,9 au carré plus 6 au carré. On va trouver 288,81. Donc OF, racine carrée de 288,81. Donc racine carrée, ça. On trouve 16,9. Donc 17, à peu près 17 mètres. Or, OA égale à 16,9 mètres. Donc ainsi, OF est supérieur à OA. Donc ça veut dire que F n'appartient pas à l'arc de cercle AC. Donc il sera ici, F. Et donc, la péniche ne passera pas l'arche du pont sans dommage. Deuxième partie. Cette partie est composée de 4 exercices indépendants. Exercice 1. Pour chacune des affirmations suivantes, indiquez si elle est vraie ou fausse en justifiant la réponse. Une réponse fausse n'enlève pas de points. Une réponse non justifiée ne rapporte aucun point. 1. Pour réaliser un collier en perles, Camille enfile 200 perles en répétant le modèle suivant. Une perle jaune, puis 3 perles rouges, puis 2 perles blanches. Affirmation. La couleur de la 147e perle sera rouge. 2. Arthur a acheté un article bénéficiant d'une réduction de 30% et a ainsi économisé 48 euros. Affirmation. Au final, il a payé 112 euros pour cet article. 3. Un randonneur marche pendant 12 km à 6 km par heure, puis il marche pendant 12 km à 4 km par heure. Affirmation. Pour les 24 km de randonnée, sa vitesse moyenne est 5 km par heure. 4. ABCD est un quadrilatère ayant ses diagonales perpendiculaires et de même milieu. Affirmation. ABCD est un carré. Alors, exercice 1 de la deuxième partie. 4 affirmations, vraies ou faux. Alors, première affirmation, la couleur de la 147e perle sera rouge. Donc ici, on peut regrouper des perles en paquets de 6. Et donc, ici on va avoir une perle jaune. Donc, on va avoir une perle jaune, 3 perles rouges et 2 blanches. Et ainsi de suite. Donc ainsi on peut regrouper les perles en paquets de 6. Donc on a 200 perles à enfiler. Quelle sera la couleur de la 147e perle? Pour cela on fait la division euclidienne. 147 divisé par 6. 14 divisé par 6 ça fait 2. On retient 2. 27 divisé par 6 ça fait 4. On retient 3. Et donc 1, 2, 3. Donc ça va être rouge. Donc la 147e perle sera rouge, donc l'affirmation est vraie. Arthur a acheté un article bénéficiant d'une réduction de 30% et ainsi économisé 48%. Donc ici, 30% et en fait l'économie. Donc si c'est P, le prix avant solde, le prix après solde ça va être... Donc réduction, donc ça fait 0,7 fois P, donc avant solde, après solde, moins 30%. Donc il a économisé, donc économie de 48 euros. Donc ici, P moins 0,7 P est égal donc à 48. Donc ici, 1p moins 0,7p est égal à 48. Donc ici, 0,3p est égal à 48. P est égal à 48 sur
0,3. 48 sur 0,3, 160. Donc P est égal à 160. Donc ça, c'est le prix avant solde. Donc prix après solde, 0,7 fois 160. 0,7 fois 160. On va trouver 112. Ici, 112. 112 euros. Donc ici, l'affirmation est vraie. Un randonneur marche pendant 12 km à 6 km par heure. Il marche pendant 12 km à 4 km par heure. Donc, petit dessin. Donc, première partie, 12 km. Il a fait en 6 km par heure. 6 km par heure. Et 12 km. 4 km par heure. Donc, ici, le temps. Donc, le temps. Mi, c'est 12 divisé par 6. Donc ici, 2. 2 heures. Ici, le temps mi sera de 12 divisé par 4. 3 heures. Donc au total, il a mis 5 heures. Et c'est 24 km, donc la vitesse, ça va être 24 divisé par 5, donc vitesse. 24 divisé par 5, 4,8 km par heure. La vitesse moyenne est de 5 km, et bien l'affirmation est fausse. Donc l'affirmation est fausse. Un quadrilatère ayant ses diagonales perpendiculaires et de même milieu, est un carré. C'est faux. C'est un losange. On peut essayer d'en tracer un. Voilà, donc losange. Donc même milieu. Même milieu. Voilà. Même milieu. Et en fait, ici, un quadrilatère qui a le même milieu, donc avec les diagonales qui ont le même milieu, c'est un parallélogramme, plus perpendiculaire, et c'est un losange, mais un carré, il doit en même temps aussi avoir des diagonales de même longueur. Donc ici, l'affirmation est fausse. Exercice 2. Dans cet exercice, les réponses seront données sous la forme d'une fraction irréductible. On dispose d'un dé cubique à 6 faces numérotées de 1 à 6 et d'un dé tétraédrique à 4 faces avec des sommets numérotés de 1 à 4 comme sur la photo ci-contre, parfaitement équilibrés. On lance les deux dés et on note le nombre lisible sur la face supérieure du dé à 6 faces et le nombre lisible sur le sommet supérieur du dé à 4 faces. Question 1A. Avec quel dé la probabilité d'obtenir 1,3 est-elle la plus grande? Question 1B. Avec quel dé la probabilité d'obtenir un multiple de 3 est-elle la plus grande? Question 1C. Quelle est la probabilité d'obtenir avec le dé à 4 faces un nombre supérieur ou égal au nombre obtenu avec le dé à 6 faces? Question 2. On calcule la somme des nombres obtenus avec chacun des 2 dés. Question 2A. Quelle est la probabilité d'obtenir une somme paire? Question 2B. Quelle est la probabilité d'obtenir une somme strictement supérieure à 3? Exercice 2, donc un exercice de probabilité, on a un dé cubique et un dé tétraédrique, et on va calculer des probabilités sur ces deux dés. Donc avec quel dé la probabilité d'obtenir un 3 est-elle la plus grande? Donc on va lister les différentes possibilités, donc là on a le tétraédrique, donc on a 1, 2, 3, 4, le cubique, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, le dé la plus grande d'obtenir un 3. Donc ici, probabilité d'obtenir un 3. 1A. Donc tétraédrique. On a 1 quart. Cubique. On aura 1 sixième. Donc la probabilité la plus grande. 1 quart. Ici. 1 quart étant supérieur à 1 sixième. Donc la probabilité la plus grande, c'est sur le dé tétraédrique. 1B. Quelle est la probabilité d'obtenir, donc la plus grande, d'obtenir un multiple de 3? Donc multiple de 3, ici, dans un dé tétraédrique, ça va être 3. Dans un dé cubique, c'est 3 et 6.
Donc, ici, tétraédrique. Donc, ça va être un quart et cubique. Ça va être 2 sixièmes. Or, 2 sixièmes, c'est un tiers. Ici, on a un tiers supérieur à un quart. Donc, la probabilité la plus grande d'obtenir un multiple de 3 est sur le dé, maintenant, cubique. Donc, 1C, quelle est la probabilité d'obtenir avec le dé nakatfad un nombre supérieur ou égal à un nombre obtenu avec le dé à 6 faces? Donc, on va remplir le tableau suivant. Donc ici, ça va être les résultats du dé tétraédrique. T, C, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, un nombre supérieur ou égal au dé à 6 faces. Donc, ici, pour le 1, 1 supérieur ou égal à 1, 2 supérieur ou égal à 1, 3 supérieur ou égal à 1, 4 supérieur ou égal à 1. Ici pour 2, 2 supérieur ou égal à 2, 3 supérieur à 2, 4 supérieur à 2, 3, 3 supérieur à 3, 3 supérieur à 4 et 4 supérieur à 4. Donc ici on calcule, il y a 24 possibilités, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc la probabilité, ici la probabilité d'obtenir donc, un nombre supérieur sur le dé à tétraédrique que sur un dé à 6 faces, eh bien c'est 10 sur 24, ou encore 5 douzièmes. Alors, avant de commencer cette question, on va donc lister la somme de chaque face. 1, 2, 3, 4, donc paire de faces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tétraédrique cubique. Donc 1 plus 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 9, 7, 8, 9 et 10. Quelle est la probabilité d'obtenir une somme paire? Donc 2. 4, donc il y a 3, 6, on va avoir 4 possibilités, 8, 3 possibilités, et 10, une possibilité. Donc la probabilité, ici, elle va être de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc 12 sur les 24 possibilités, donc 1 demi. Alors ici, 2B. Obtenir une somme strictement supérieure à 3. La probabilité d'avoir une somme strictement supérieure à 3. Eh bien, on prend l'événement contraire, donc somme supérieure stricte à 3. Eh bien, ça va être l'événement contraire. Somme inférieure ou égale à 3. Ça veut dire que somme égale à 3 plus la somme égale à 2. Donc ici, 1 moins somme égale à 3, 1, 2. Somme égale à 2, 1. 2 sur 24 plus 1 sur 24. 1 moins 3 sur 24, ça nous donne donc 24 moins 3, 21. 21 sur 24, 7 sur 8. Donc la probabilité d'obtenir une somme strictement supérieure à 3 est de 7 sur 8. Exercice 3. Un élève utilise le programme ci-contre. Question 1. Quelle réponse le logiciel va-t-il afficher si l'élève entre la valeur 5? Expliquez pourquoi. Question 2. Quel nombre l'élève doit-il rentrer pour obtenir en retour le message « Bravo, tu as trouvé le nombre mystère ». Exercice 3. Donc on a un programme sur Scratch à faire tourner. Et donc on va répondre à ces questions. Donc on va écrire ce programme sur Scratch. Alors, ici. Donc quand le drapeau est cliqué, on va demander. Donc on va demander quel est le nombre mystère. Quel est le nombre mystère. Donc on va mettre x. On va créer une variable x.
On va mettre X à réponse. Donc la réponse à cette question. Ensuite, si, alors, bien plus, 3 fois x, donc 3 fois x plus 7, donc 3 fois x plus 7, opérateur égal, donc 3 fois x plus 7, égal à 40. Dire bravo, tu as, donc bravo, tu as trouvé le nombre mystère. Sinon, dire et non, désolé, ce n'est pas le nombre mystère. Et non, désolé, ce n'est pas le nombre mystère. Et c'est encore. Donc, première question, quelle réponse le logiciel va-t-il afficher si l'élève entre la valeur 5? On va tester. Donc, on va cliquer. On va noter 5. Et non, désolé, ce n'est pas le nombre mystère, essaye encore. Donc, ici. Donc il va répondre, et non, désolé, ce n'est pas le nombre mystère, essaye encore. Pourquoi? Parce que, ici, 3 fois 5 plus 7, c'est 15, plus 7, c'est 22, et c'est différent de 40. Alors maintenant, deuxième question. Quel nombre l'élève doit-il rentrer pour obtenir en retour le message, bravo, tu as trouvé le nombre mystère? Eh bien, on résout cette équation. 3 fois x plus 7 égale à 40. 3x égale à 40 moins 7 est égal à 33. 3x égale à 33. X est égal à 11. Donc, ici, l'élève doit rentrer 11 pour avoir le message « Bravo, tu as trouvé le nombre mystère ». Donc ici, on réessaye. Quel est le nombre mystère? 11. Bravo, tu as trouvé le nombre mystère. Exercice 4. Pour calculer le débit D d'une perfusion en gouttes par minute, les infirmiers utilisent la formule grand D est égal à grand V sur 3 fois grand T, où grand V est le volume en millimètres de la perfusion et grand T est le temps en heures que doit durer la perfusion. Question 1. À quel débit doit être réglée la perfusion si le volume à transfuser est de 1,5 litre en un jour. Arrondir la réponse à l'unité. Question 2. Une perfusion est réglée sur un débit de 6 gouttes par minute. Quel volume de liquide sera perfusé en 1 heure et quart? Question 3. Une perfusion à un volume de 250 ml est réglée sur un débit de 8 gouttes par minute. Quelle devrait être la durée de perfusion? Donnez la réponse sous la forme x heure y minute. Exercice 4, donc une histoire de débit, de perfusion. Donc on a D est égal à V sur 3 fois T. Alors, on a donc D est égal à V sur 3 fois T. On peut avoir T, donc ça c'est la première formule. Deuxième formule, T est égal à V sur 3 fois D. T est égal à V sur 3 fois D. Ou encore, troisième, donc on veut par exemple V, et bien V est égal, donc si on fait le produit en croix, là on met sur 1, V fois 1 est égal à D fois 3 fois T. Donc ici, 3 fois D fois T. Donc il y a trois formules, on va utiliser les trois formules sur les trois questions qui vont suivre. Donc ici, perfusion, si le volume à transfuser est de 1,5 litre, 1,5 litre, c'est 1500 millilitres. Un jour est égal à 24 heures. Donc ici, D est égal à V sur 3 fois T. Donc V, 1500, divisé par 3 fois 24.
Donc on peut dire donc 1500 divisé par 5, ça fait 500 divisé par 24. Donc 500 divisé par 24, on va trouver 20,83. 20,83 gouttes par minute. Donc si on veut arrondir à l'unité, donc 21 gouttes par minute. Alors ensuite, donc on a un débit de 6 gouttes par minute, donc D est égal à 6 gouttes par minute. Et l'heure temps, c'est 1 heure et quart. Donc 1 heure et quart, donc 1 heure et 25, donc 1,25 heure. Donc ici, on utilise la formule V est égal à 3 fois D fois T. V est égal à 3 fois D fois T. Ça fait 3 fois 6 fois 1,25. On obtient 3 fois 6 fois 1,25. 22,5 millilitres. Donc, de liquide à perfuser. Donc, on a un volume de 250 millilitres sur un débit de 8 gouttes par minute. Donc, ici. Donc, le volume, c'est 250 millilitres. Et le débit est de 8 gouttes par minute. Donc ici on veut un temps. Donc temps est égal à V sur 3 fois D. Temps est égal à V sur 3 fois D. V 250 divisé par 3 fois 8. On calcule. 250 divisé par 3 fois 8. Donc 10,41. Donc c'est en heure. Donc ici ça va être 10 heures et donc 10 heures et 25 minutes. Donc il faudra 10 heures 25 minutes pour perfuser 250 millilitres à un débit de 8 gouttes par minute.